Cacao qui a financé les études de mes parents. Donc, et si le cacao a pu financer les études, par conséquent, le cacao, de manière indirecte, a aussi financé mes études. Donc, à partir de ce moment, je suis redevable à la culture du cacao. Alors, il était nécessaire aussi, quelque part, de voir comment est-ce qu'il fallait travailler sur la chaîne des valeurs. Parce que lorsque vous observez l'environnement, les agriculteurs ou alors le cacaoculteur n'ont pas plus de 8%. En Afrique, nous passons plus le temps à envoyer les matières premières. Nous ne parvenons pas à la transformer. Alors, je me suis dit, si nous avons tout, nous transformons presque rien, et les autres n'ont rien, ils transforment presque tout. Mais qu'est-ce qui fait problème? Alors, c'était la première base de la réflexion. Alors, on s'est dit, il va falloir travailler sur la chaîne des valeurs du cacao. Et lorsqu'on est allé plus loin, un peu dans des observations ou des études, on s'est rendu compte que dans la majeure partie des cas, nos industries agroalimentaires, j'allais dire même cosmétiques, faisaient quoi? Ils importaient la poudre de cacao depuis les tricotés. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait problème? Pour une plante dont nous cultivons de manière séculaire. Je dirais d'un côté que le comportement a même plutôt allé de mal en pire. Ça veut dire que vous allez voir, parce que nous, les Africains, nous ne nous sentons supérieurs que lorsque l'on consomme quelque chose qui vient de l'extérieur. Parce que pour nous, la colonisation a fait de telles enseignes que on se dise dans nos têtes que la notion du bien, du bon, hein, et du beau est importé. Donc, lorsque vous consommez ce qui est produit localement, ça veut dire que vous êtes comme un sous-homme. Et cela se manifeste généralement dans tout ce que vous pourrez voir en termes de comportement. Autrement dit, il faut encore rééduquer les masses. Et il faut aussi que les Camerounais le comprennent une fois pour toutes. Chaque fois que vous consommez un produit qui vient de l'étranger, vous créez un emploi là-bas et vous maintenez un emploi. Donc ne vous plaignez plus lorsque eux, ils continuent à se développer et que vous continuez à vous enfoncer. C'est assez simple que ça. C'est pour cela qu'il est question pour nous de retravailler notre mindset, déjà d'abord. Voilà, la mentalité. Cette responsabilité sur une échelle de 3 niveaux. Je prendrais d'abord le Camerounais lui-même, c'est-à-dire que monsieur tout le monde, qui, lorsqu'il arrive quelque part, c'est-à-dire qu'il est prompt à aller toujours acheter tout ce qui vient de l'extérieur, comme quoi, parce qu'il manque d'abord d'assurance. Ça veut dire qu'il fait plus confiance aux autres, en se disant que les autres, nous, les Camerounais, nous n'avons pas le niveau nécessaire, nous avons tous fait ces grandes écoles. Et parfois même nous avons été les meilleurs, et de loin d'ailleurs. Ça c'est la vérité. Voilà. Mm-hmm. Et lorsque nous venons, c'est pour démontrer aux autres qu'il va falloir apprendre à consommer ce que nous produisons. Parce que les autres, c'est le cas. Vous allez voir, lorsqu'on, je prends entre guillemets, lorsqu'un Français arrive chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Il va conduire une voiture française? Il va loger dans un hôtel français. Il va manger dans un restaurant français. Que l'argent doit être géré au sein de la communauté. Et vous allez voir la même chose. Lorsqu'un Anglais va arriver, il va chercher à conduire une voiture anglaise et il va mettre son argent dans une banque anglaise ou une de ses représentations. Et voilà, ainsi de suite. Oh, par contre, nous, c'est pas ça. Et observez aussi nos frères chinois, ce sera la même chose. Donc nous, en tant qu'individus d'abord, c'est ce que nous devons d'abord nous apprendre, en nous disant que chaque fois qu'on va consommer ce qui vient d'ailleurs, ça veut dire que ça nous approuvit davantage. Parce que je vous prends un cas qui est simple. J'ai pour marque de pâte à tartiner Prima. Imaginez-vous que Prima, je le vende à 1000 francs.
qui a un chocolat de très loin de bonne qualité. Alors, en le vendant à 1000 francs, si 5 millions de personnes l'achètent en une année, cela me fera sûrement 5 milliards. Avec 5 milliards, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Non seulement pour le fisc au Cameroun, j'en recruterai davantage, je créerai d'autres usines dans d'autres localités et je vais développer ces localités en tant qu'entreprise citoyenne. Non seulement je vais employer des gens, mais également les mairies. Les mairies vivent. Tout à fait. Voilà. Et si nous ne parvenons pas déjà d'abord à faire ce, à comprendre cela, c'est ton problème. Voilà comment est-ce que je vois d'abord le problème au premier niveau avec les individus. Le deuxième niveau va de soi aussi avec les entreprises. Vous allez bien vous rendre compte que lorsque les entreprises locales veulent effectuer des achats, elles vont toujours vouloir aller acheter à l'étranger en se disant que non, parce que moi je trouve que là-bas, c'est moins cher. Alors que à la base, elles-mêmes, elles ne font pas la petite analyse en termes de coût. Pourquoi c'est cher chez nous? Peut-être parce qu'on produit à l'unité, pas à l'échelle. Et pourquoi c'est cher chez nous? Quand je dis à l'unité, pas à l'échelle, ça veut dire qu'on n'a pas de grande production, produit pas pour en très grande quantité comme les autres. Mais il faut justement que les autres commandent à passer des commandes chez nous pour que nous puissions aussi acquérir d'autres machines pour pouvoir produire. Voilà. Ils ne se posent pas les questions. Ils veulent acheter quelque chose, ils s'en vont à l'étranger. Et, comme d'habitude, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas des roues. Parce que lorsqu'ils achètent là-bas, c'est de l'argent qu'ils donnent là-bas. Et dans ce pays-là, cette entreprise chez qui ils ont eu à acheter, fait quoi? Reverse auprès de l'État. Et puis, voilà, les avions, le développement et tout et tout. Mais ils sont, pour moi, à la fin, c'est de l'hypocrisie. Ils sont surpris qu'il n'y ait pas de lampadaires partout, qu'il n'y ait pas du goudron partout, qu'il n'y ait pas de cela. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Il faut que même au niveau des entreprises qu'on puisse changer. C'est pareil même pour l'État. Ça veut dire que nous avons du bois chez nous. Comment est-ce que lorsqu'on veut équiper les ministères, on achète le matériel du bureau en Chine parce qu'on dit qu'on a trouvé que non. Ils sont à dire que les moins de 10 ans. Parce qu'ils ont donné ça à vil prix. Selon vous. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Et lorsque vous vous achetez là-bas, vous envoyez tout l'argent à coût de milliards. Et ça ne revient pas. Alors qu'il y a des Camerounais qui sont là, qui peuvent le faire. Et même s'ils ne le font pas de manière très sophistiquée comme les autres, mais le fait de leur avoir déjà fait confiance a permis au moins qu'ils recrutent et vos nièces, et vos cousins, et vos petits frères, ainsi de suite. Jusqu'à présent, on ne parvient pas toujours à intégrer ce type de réalité.